Chapitre 118, psaume chapitre 118, nous lisons la parole du Seigneur. Nous prions, tendre Père Céleste, notre Dieu, nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Seigneur, malgré nos fautes, malgré nos erreurs, malgré notre infidélité, durant toute cette année, tu es demeuré fidèle. Tu nous as toujours gardés, tu nous as toujours parlé,
Tu nous as toujours avertis, tu nous as toujours ramenés, tu nous as toujours guéris, tu nous as toujours délivrés. Tu n'as jamais été loin, tu as toujours été prêt, le Jésus toujours présent, c'est toi notre Père. Merci pour cette grâce que nous avons, d'avoir un endroit où nous pouvons nous rencontrer pour t'écouter et nous parler. Seigneur, un endroit où nous pouvons venir nous agenouiller, invoquer ton nom, et tu nous as toujours répondu. Merci pour cette fidélité, merci pour ta bonté, Seigneur. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur, bénis nos enfants, bénis nos petits-enfants, bénis notre pasteur, nous le recommandons entre tes mains. Seigneur, pour la parole que nous allons écouter juste après la lecture du psaume, Seigneur, sois puissant en parole et en action. Tiens l'homme dans le creux de ta main, utilise-le comme tu le veux, Seigneur. Il est à toi, Seigneur, tu sais combien nous l'aimons. Seigneur, il nous a supportés pendant toute cette année. Seigneur, nous aussi, nous avons porté, Seigneur mon Dieu, le fardeau de pouvoir le soutenir dans la prière. Jésus-Christ, mon roi. Seigneur, que cet amour demeure en chacun de nous, Seigneur. Scelle-nous, unis-nous. Ô Seigneur, unis-nous, rapproche-nous dans cette unité de la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu es présent, notre Dieu. Tu ne nous as jamais abandonnés. Bénis ce jour. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Seigneur, remplis le vase. Seigneur, bénis tous nos frères qui sont en ligne, en aussi grand nombre que tu les connais. Seigneur, qu'ils soient visités, qu'ils soient bénis. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons prié et remercié, Père. Amen. Psaume chapitre 118, nous lisons la parole du Seigneur. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les tins en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les tins en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les tais en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes du juste. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusque aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu. Et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon,
car sa miséricorde dure à toujours. Merci Seigneur Jésus. C'est notre prière, Seigneur Jésus. Sois béni pour l'éternité. Oh Jésus, merci. Jamais assez nous te dire merci. Thank you.
voulons te dire notre merci, notre Père Céleste, notre Dieu. Gloire te soit rendue encore ce matin pour la grâce et le privilège que nous avons d'être dans ta maison. Tu es vraiment le Dieu qui contrôle toutes choses. Nous te remercions vraiment pour ta présence divine et glorieuse, mon roi. Nous avoir conduit dans ta maison, Père. Regarde l'élan de nos cœurs, mon roi, de chanter les chants des Sion pour ta gloire, d'élever nos voix et de glorifier ton saint nom, mon Seigneur. Oui, que ton saint nom soit vraiment glorifié et béni encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Ton peuple s'est rassemblé en ton nom et tu as fait la promesse, Père Tout-Puissant-Dieu. Tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis vraiment au milieu d'eux. Tu es vraiment le parfait, Seigneur. Le Dieu qui nous conduit, qui nous soutient et qui pourvoit pour tous nos besoins, Seigneur. C'est pour toi que nous sommes venus encore ce matin, Seigneur Dieu, avec un cœur plein de joie, d'allégresse, mon roi, comme nous t'avons chanté et ton peuple t'a loué, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es vraiment parfait pour nos pères et merveilleux pour notre vie, mon béni, Père Tout-Puissant Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas autre Dieu que nous pouvons aimer comme nous t'aimons, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, mon roi. Nous avons vraiment accordé cette grâce de te rassembler en cet endroit, en cette matinée, béni, Père Saint-Dieu, pour tout le merveille que tu fais, Seigneur. Nous voici, Père Saint-Dieu, les derniers jours, Père Saint-Dieu, où nous voyons que l'année 2023 est en train de pouvoir passer, Seigneur, et que nous allons entrer maintenant dans 2024, mais avec toi, mon béni, Père Saint-Dieu. Nous nous sommes préparés pour toi, mon béni, Père Dieu, que tu agisses encore davantage, mon roi. Merci vraiment pour les psaumes que nous avons lus, Père Tout-Puissant, encore aujourd'hui, ce matin, Seigneur. Merci encore, Père Tout-Puissant Dieu, pour ton peuple, la chorale qui a chanté d'une manière tellement merveilleuse, mon roi. Seigneur, c'est vraiment quelque chose de tellement extraordinaire que tu fais parmi nous, mon sauveur béni. La gloire et l'honneur te revient encore, mon béni, Père Saint-Dieu. Aide-nous encore à continuer encore, Père Tout-Puissant, jusqu'à ce que nous puissions atteindre l'aube du matin, Seigneur, parce que c'est là notre rendez-vous aussi avec toi, mon béni, Père Saint-Dieu. C'est un jour particulier, exceptionnel encore pour nous, béni, Père Saint-Dieu, où nos cœurs, Père Tout-Puissant, se sont préparés pour cela, Père Saint-Dieu. Loué soit ton Saint-Nom. Béni sois-tu encore aujourd'hui, Père. Nous pensons à tous nos frères, à toutes nos sœurs, mon béni, Père Saint-Dieu, que nous aimons tant aussi et qui sont aussi en communion avec nous en ces lieux et qui sont aussi en connexion, Seigneur Jésus, dans différents endroits où ils sont, Père Saint. Merci encore pour tous ceux que tu as ramenés, Père Saint-Dieu, de différents endroits, ô Dieu, de différents pays qui sont venus en cet endroit pour que, ensemble, Père, nous puissions vraiment, Père, avoir cette communion, comme ta parole à toi l'a dit, qui est vraiment doux et agréable pour les frères de me réunir ensemble, Seigneur. Nous le faisons parce que tu nous as conduits à cela, Père. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni et soit glorifié encore pour son amour et sa bonté, la grâce qui nous accorde encore d'être là ce matin. Vous pouvez vous asseoir. Qu'il soit vraiment béni pour tous les chants et les cantiques qui sont montés devant ton trône de grâce et aussi pour l'amour que lui avait exprimé aussi au travers de tout ce qu'il a eu à pouvoir faire pour vous, en lui exprimant cela par des chants, des cantiques, des remerciements, et aussi par l'adoration montante de notre cœur. Nous réjouissons de ce que notre Dieu nous a conservé la vie jusqu'à ces jours. Il nous a vraiment donné aussi la grâce de pouvoir encore être présents encore en ces jours et persévérant jusqu'à ce que nous puissions voir l'aube de 2024 qui va aussi s'élever. Et quelle joie de pouvoir également aussi nous retrouver en ces jours, en nous préparant pour carrément que le Seigneur notre Dieu puisse agir encore davantage. Il continue à pouvoir faire de merveilles, c'est parce qu'il veut achever en fait son œuvre. Toute œuvre qu'il a commencée, il l'achève toujours lui-même. Et il le fait toujours d'une manière aussi parfaite, parce que tout ce qu'il fait est toujours parfait. Quand il a créé, c'est toujours parfait. Et lorsqu'il agit, c'est toujours parfait. Et nous arrivons aussi à cet âge de la Odyssée, donc septième âge, qui est aussi la perfection ou l'achèvement où Dieu est en train de pouvoir aussi faire. Et quand il fait d'une manière tout à fait merveilleuse et puissante aussi pour confirmer qu'il est vraiment Dieu au-dessus de tout et qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. C'est la perfection de Dieu. Parce que il prend un peuple qui était impur, un peuple qui était imparfait dans sa manière de pouvoir faire, et il l'amène jusqu'à la perfection, à tel point qu'il est tellement si parfait que Dieu l'appelle à pouvoir monter et défier effectivement aussi la pesanteur. Nous remercions notre Dieu parce qu'il est vraiment merveilleux dans sa façon de pouvoir faire,
Et il conduit aussi ces choses, effectivement, ce qu'il a eu à pouvoir promettre d'une manière parfaite et merveilleuse. Ce qui est extraordinaire avec lui, c'est que lorsqu'il promet, il accomplit effectivement. Et quand il annonce quelque part, effectivement, une parole, et nous voyons que ce qu'il a annoncé, même si les êtres humains, même si la nature, effectivement, ou tout le monde se ligue pour dire effectivement que cela ne pourra pas s'accomplir parce que c'est impossible, mais nous regardons faire les choses comment Dieu les fait, et il accomplit d'une manière extraordinaire. Notre cœur et notre foi, notre âme et tout ce que nous sommes, effectivement, nous prions qu'il trouve grâce pour que vraiment ça s'aligne avec la parole de Dieu. C'est la chose la plus sûre et la plus certaine. Je ne peux pas être sûr de moi-même. Parce qu'en fait, moi-même, quand je me regarde de moi-même, il n'y a rien qui peut vraiment m'assurer que ce que je suis est vraiment vrai. Oui, c'est vrai, mon frère et ma sœur. Parce que tout ce qui est à moi que je peux faire, ce n'est que des choses qui sont erronées, en fait. Je n'arriverai jamais à pouvoir faire quelque chose de bien parce que moi-même, je ne sais pas tellement très bien comment faire les choses. Donc je dois vraiment arriver à pouvoir apprendre effectivement à faire les choses. Et même quand j'apprends aussi, mais je ne ferai pas les choses d'une manière assez parfaite. La Bible dit que la parole de Dieu est parfaite. Oui, ça c'est la vérité. Alors si la parole de Dieu vient effectivement dans chacun de nous, alors c'est sûr et certain que ce que nous ferons sera vraiment parfait. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit donc à nous. Donc notre Dieu est vraiment merveilleux. C'est pour cela que nous le prions tout le temps et nous nous accrochons chaque fois aussi pour que le Seigneur trouve vraiment son chemin dans chacun de nous, qu'il fasse vraiment un travail dans chacun, qu'il trouve effectivement aussi dans chacun de nous une place bien préparée pour qu'il puisse siéger. Pourquoi cela? Parce que nous devons lui montrer que nous désirons cela. Parce que nous les désirons, pour quelle raison? Parce que quand nous nous sommes regardés, nous pouvons dire qu'effectivement, que Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de bien? Donc, j'ai besoin que tu m'aides à ce que je puisse arriver à pouvoir accomplir les choses d'une manière parfaite. Parce que ce que Dieu attend de chacun de nous, il s'agit de ses fils et de ses filles, effectivement, pas du monde, effectivement. Ce que chaque chose que nous devons le faire vraiment d'une manière parfaite et juste. Alors, s'il y a des hommes et des femmes qui peuvent arriver à pouvoir faire des choses d'une manière vraiment parfaite dans tout ce qu'ils font, c'est le peuple de Dieu. Parce que nous avons un professeur, un enseignant, un conducteur, un maître, effectivement, qui est parfait dans tout. Tous les professeurs des universités, tout ça, vous savez, ils ont des erreurs, ils sont imparfaits, même ceux qui nous apprennent, effectivement, après des années, ça va changer, les formules vont changer, on va encore trouver autre chose, effectivement. Mais lui ne change pas. Donc ce qu'il fait, effectivement, demeure toujours ce qu'il a fait, et il ne peut pas changer. Donc voilà, c'est lui sur qui, effectivement, dont nous pouvons nous reposer. Et d'avoir aussi l'assurance aussi et la certitude qu'effectivement que avec lui, s'il est vraiment notre maître et notre guide, effectivement, alors nous ferons effectivement des choses comme cela se doit. Qu'est-ce que nous sommes censés pouvoir faire? Mais faire les choses conformément à la parole de Dieu. Parce que quand on parle d'être, faire les choses conformément à la parole de Dieu, c'est vraiment faire exactement ce que la Bible dit, ce que Dieu dit, dans le moindre détail. Parce que si ce n'est pas effectivement ce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas la parole de Dieu que nous mettons en pratique. Or, dans l'homme, effectivement, avec tout ce qu'il est, d'une certaine manière ou d'une autre, sa façon de faire, de penser, d'imaginer, tout est imparfait. Alors, comment est-ce que d'un être imparfait peut sortir quelque chose de parfait? Parce que la parole de Dieu, elle est parfaite, elle est droite, effectivement, mais moi, je suis imparfait et je ne suis pas droit. Mais Dieu me demande à pouvoir être droit. C'est pour ça que, je crois, dans les Saintes Écritures, et nous l'avons lu aussi hier, effectivement, nous ne l'avons pas cité, mais nous y avons touché, effectivement, aussi hier, quand nous avons lu dans... D'après le chapitre 19, effectivement, on nous dit que
Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur. Et le fin lin éclatant pur, ce sont les œuvres justes des saints. D'abord, moi, je ne peux pas être saint. Je peux faire tous les efforts possibles. Humainement parlant, je ne peux pas être saint. Je peux tout faire, mais quand même, il y a toujours une faille parce que la nature de l'être humain est comme cela. Vous le remarquez aussi, je ne vais pas parler du mal de quelqu'un, mais tu finis par parler du mal. Je ne vais pas mentir, mais tu finis toujours quand même par mentir quelque part. L'esprit de l'homme est ainsi. La nature de l'homme est ainsi. Mais le Seigneur, il dit quelque part dans les Saintes Écritures, dans Matthieu, il dit, mais soyez donc parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Mon frère et ma sœur, nous devons réaliser et comprendre une chose, c'est que Dieu, que nous servons, le Dieu de la Bible, il est vraiment très exigeant. Vous remarquez très bien que même dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont eu à pouvoir servir et prêcher et vivre effectivement ainsi de suite, comprenez très bien, frère et sœur. Si nous regardons aussi dans l'Apocalypse, effectivement, nous voyons chapitre 4, effectivement, aussi comment autour de lui, les quatre êtres vivants, ils criaient toujours « Saint, 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 l'Éternel ». Et nous voyons aussi dans le livre aussi d'Ésaïe aussi, effectivement, qu'il y a donc des séraphins qui sont là devant lui, effectivement, deux, avec six ailes. Ils ne peuvent pas le regarder parce qu'il est très saint. C'est pour ça que nous regardons que tous ceux qui ont servi dans l'Ancien Testament, ils sont tous morts et ils ne pouvaient jamais monter devant sa face. Parce que aucun, même quand tu pouvais, même tous ceux-là qui ont servi Dieu d'une certaine manière ou d'une autre, qu'on a rendu les témoignages en réalité, c'est vrai, mais ils ne sont pas montés dans la présence de Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas conformes, l'être humain, dans sa nature, dans ce qu'il est, dans ce que nous sommes. Là, ce que nous sommes, effectivement, nous savons qui nous sommes. Mais Dieu, comme il est Dieu, exige réellement la sainteté, la perfection. C'est-à-dire être parfait, mais vraiment, quand on parle de parfait, c'est qu'il n'y a même pas quelques virgules, effectivement, qui, quelque part, où il y a quand même sa courbe. Non, tout est parfait dans tout le moindre détail. C'est ces dieux-là que nous servons et que nous chantons, que nous glorifions. Vous voyez, frères et sœurs, parce que nous sommes appelés à pouvoir connaître ces choses pour que nous sachions comment nous tenir devant lui et surtout comment réellement aussi le servir, lui en fait Dieu. Pas seulement ici, mais partout où nous sommes. C'est pour ça aussi que David pouvait crier, c'est ce que donc l'homme pour que tu te souviennes de lui. Regardez très bien, frères et sœurs. Donc, il y en a deux, ils ont la six ailes, effectivement. Et aussi, quand on voit aussi dans l'Apocalypse, effectivement, autour du trône, les quatre êtres vivants, les spectacles est tellement si terrible et effrayant. Parce que quand on voit comment, et puis lui-même, là où il est assis, effectivement, aussi, avec le bro, tout ça, vous voyez comment l'arc-en-ciel, vous voyez, et personne ne peut même l'approcher. D'ailleurs, comment, pourquoi est-ce que quelqu'un peut même oser? Lorsque Ésaïe a eu à pouvoir avoir cette vision-là, qu'il a pu voir, effectivement, lorsqu'il a simplement vu, effectivement, cette gloire de Dieu, il dit, je suis un homme impur. C'est Josias, je pense. Alors, il se rend compte qu'effectivement, que lui-même, dans ce qu'il peut même avoir jeûné, prié, fait tout ce qu'il pouvait arriver à pouvoir faire, il se sentait qu'effectivement qu'il était un homme. Vous remarquerez très bien aussi que lorsque Daniel a
pu gêner pendant des jours, effectivement, ainsi de suite. Et quand tu l'as vu, c'est dans la présence de cet ange qui était là devant lui, l'homme a perdu la force aussi. Vous vous souvenez? Il n'y a aucun maître qui peut s'éteindre devant lui. Il est tellement saint et pur, effectivement. Souvent, les gens disent il est trois fois saint. Il n'est pas trois fois saint. Non, non, il n'est pas trois fois saint. Il est saint. Au-delà même de ce que peut imaginer la sainteté de cela. C'est ce Dieu que nous servons. Alors, nous remarquons qu'effectivement, que ce que lui, il cherche, ce n'est pas quelque chose qui est fait à moitié, mais il cherche la perfection et la sainteté. Et l'être humain aussi, dans son imagination aussi, il s'est dit aussi qu'il y a un moyen de pouvoir être saint en faisant ceci, en priant, en faisant cela. Oui, on peut le faire. Mais ça, c'est cette sainteté-là, c'est ce que nous produisons. C'est comme la Bible dit que notre justice est comme un vêtement souillé. C'est vrai. Tout ce que toi et moi nous pouvons faire, mon frère et ma sœur, ne pourra jamais satisfaire Dieu. C'est important qu'on le comprenne, qu'on le sache, mon frère. Tout ce que chacun de nous, que moi je peux faire, que toi tu peux faire, ne pourra jamais satisfaire Dieu. Depuis le temps, nous avons vu, c'est pour ça que vous avez pu voir aussi, il est tellement si exigeant, mon frère et ma soeur, qu'il faut que nous sachions que ce n'est pas facile, ça je vous l'ai dit, de servir un tel Dieu. Souvent on prend la légère, on pense que, non, frères et sœurs, ce n'est pas facile. Il est tellement exigeant et dans le moindre détail. C'est pour ça que ce soit les prophètes et tout ça, malgré tout ce qui pouvait arriver à pouvoir faire, effectivement, lorsqu'ils arrivaient à la fin de la course, effectivement, c'est en bas qu'ils allaient. Si vous et moi, nous observons, effectivement, aussi, quand nous pouvons nous regarder, en nous comparant un peu à ceux qui étaient avant nous là-bas, dans ce temps-là, ils ont été quand même beaucoup plus loin que nous. Dans la consécration à Dieu, dans ceci, effectivement. Mais malgré tout cela, quand il est arrivé à la fin de la course, c'était en bas. C'est-à-dire que Dieu, notre Seigneur, exigeait plus. Et son exigence n'a pas changé. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez bien, c'est ce que la Bible nous dit ici pour que vous compreniez bien cela. Je crois que c'est dans le livre d'Apocalypse. Hébreux. Je pense que je vais les trouver. C'est dans les Hébreux. Je suppose que c'est cela. Hébreux. Voilà, c'est Hébreux. C'est Hébreux au chapitre 11, hein, et nous disons, à partir, je crois que nous l'avons lu aussi, mais je vais le lire quand même aussi. Peut-être lire à partir du verset 30, on va quand même lire cela. Bien. C'est donc par la foi que le miraille de Jéricho tombèrent, après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. Hébreux 11, verset 30. Donc c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore quand le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et de prophètes qui, par la foi, vainquirent de royaumes, exercèrent la justice, obtinrent donc des promesses, fermèrent la gueule de lion, éteignirent donc la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères,
Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et d'autres subirent des moqueries et les fouets, les chaînes à la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis, de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi duquel il a été rendu donc témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était donc promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Donc, il devait, donc c'est une obligation. Et tout cela dont on a cité effectivement dans l'Ancien Testament, vous le connaissez tous. Il fallait qu'ils atteignent la perfection. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu. Quand on dit parfait, c'est pour ça que David, je pense, oui, c'est dans les livres, dans les psaumes 119, effectivement, qui disait, puisse mes actions être bien réglées d'après donc ta parole. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Mon frère et ma soeur, même l'amour que tu dois avoir à l'endroit de ton frère et de ta soeur, ça doit être un amour parfait. Parce que Dieu ne peut pas prendre ni accepter quelque chose d'un semblable un peu avec un peu d'imperfection. Non, 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 ma soeur. Dieu est très exigeant. Et ce qu'on doit lui remettre à lui, ça doit être parfait. D'ailleurs, vous remarquerez très bien que même le souverain sacrificateur dans le monde naturel, effectivement aussi, quand il entrait effectivement dans le tabernacle pour aller dans le lieu très saint, qu'il pouvait jamais faire les choses comme lui il pensait. L'habillement devait être cousu comme Dieu le voulait. Et pour cela, afin que ça plaise au Seigneur, pour que cet homme entre simplement dans le lieu très saint et que Dieu le conserve la vie, parce qu'il peut le tuer, il fallait qu'il mette son esprit dans Olibar, dans tout cela, pour coudre, pour faire ceci, effectivement, pour que chaque aiguille qui doit passer, frères et sœurs, ne puisse pas passer les mailles comme l'homme voulait. Mais non, c'est la vérité. Je vous parlais l'autre fois, disant que le Seigneur, notre Dieu, était un grand couturier. La Bible nous dit qu'il portait une robe sans couture. Cherchez-moi un couturier qui peut le faire une robe sans couture ici. Même le chandelier qui devait être représenté, on devait les battre, mais un rythme. Je vous l'avais dit, que, pas comme boum, 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 non. Ces rythmes-là étaient un rythme parce que Dieu, notre Seigneur, a dit à Moïse, monte ici, je te montrerai. Quand tu vas descendre, c'est exactement selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Mais un humain ne pourra pas le faire. Mais pour que Moïse le fasse, tu as déversé l'esprit. Parce que ce ne sont pas les mains humaines qui peuvent servir Dieu. Nous avons affaire à un Dieu tout-puissant, mon frère et ma soeur. Le roi des rois, comme le dit Vladan, le Seigneur du ciel et de la terre. Il est adoré par les anges, les séraphins, les archanges. Vous ne réalisez pas, mon frère. C'est pas un petit Dieu. C'est pas un Dieu incapable. C'est le Dieu qui sied dans les lieux très hauts. Il est tellement si pur, si puissant. Oui, je vous l'ai rendu témoignage, moi, ici, quand j'étais transporté dans les cieux. Oui, j'étais là. La pureté que j'ai vue, j'ai dit, c'est extraordinaire. Sur la terre, on ne le voit pas, la lumière que nous avons, elle est impure, des milliers d'impuretés, effectivement, dans la lumière que nous avons. Quand on va dire la lumière, le soleil est pur. Non, frère, non, 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 non. Mais là, c'est étincelant, mais d'une sainteté, d'une pureté extraordinaire. C'est pour ça que vous remarquez que Dieu est tellement exigeant avec ses propres enfants, lui. C'est pourquoi j'ai dit, toi, mon frère, toi,
toi, ma soeur, qui murmure tout le temps après la parole, qui fait ceci, cela, ma parole. Il y a un souci, un problème avec toi. Tu ne réalises pas, effectivement, aussi avec qui tu as affaire, en fait. Tu te plains pour des choses tellement inutiles, effectivement, enfantines, oui. Mais tu ne te rends pas compte, effectivement, dans quoi tu t'es engagé. C'est comme quelque chose, effectivement, dit, bon, tous les bons, on fait un groupe rassemblement. Non, ce n'est pas un rassemblement des groupes que des hommes qui veulent faire. Non. Il s'agit du Dieu très haut. Et ce Dieu-là ne peut pas te supplier, toi, pour les servir, ou pour les chanter, ou pour même pour les prier. Non, mon frère, vous perdez votre temps. Et vous pensez que si moi je ne le fais pas, personne ne va le faire. Jamais. C'est pour vos âmes que vous devez pleurer, vous. Implorez la grâce de Dieu pour vos âmes à vous, qu'il ait pitié. Dieu ne manquera jamais quelqu'un qui peut l'adorer en esprit, en vérité. Jamais, mon frère. Ne te prends pas tellement si important. Tu ne vaux rien du tout. Tu n'es qu'une mode de terre. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, dans les cieux, il a créé les anges, les archanges. Savez-vous ce que c'est qu'un ange, mon frère? Chanter, mais les voix que Dieu a données aux anges. Parce que Dieu ne peut pas arrêter sans être adoré. Il est, il doit être adoré. Donc il s'est entouré des anges, des archanges, des myriades. On l'a lu, mon frère. Une foule nombreuse, vous l'avez entendu, c'est l'Apocalypse 21. On dit foule nombreuse. Vous, on perd son temps. Moi, non. Frères et sœurs, c'est vous qui devez pleurer, supplier, Seigneur, aide-moi. Amen. Que mes yeux s'ouvrent. Ouais. Nous avons tendance à penser que nous sommes tellement importants. En fait, tu penses que tu es important parce que tu t'imagines que tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Mais si tu es vraiment une fille, un fils de Dieu, tu ne te diras pas « je suis important ». C'est vrai ça. Tu ne te sentiras même pas important. Parce que en toi-même, quelque chose est placé en toi. C'est cette simplicité, cette humilité qui a... Parce que tu ne vois que c'est lui qui est important. C'est sûr et certain. Mais quand tu te sens déjà important, que tu as de la valeur, là, à ce moment-là, tu ne l'es pas. C'est ce que la Bible nous fait savoir, que la grandeur se mérite. C'est qui est petit, effectivement, qui... Il l'a montré lui-même sur la terre. Il s'est tellement humilié, il s'est dépouillé. Évidemment. Il a pris la forme d'un serviteur. Il ne s'est pas arraché à être l'égal de Dieu. Il l'était. Je me souviens dans les Saintes Écritures, quand on est venu les saisir pendant la nuit, effectivement, aussi. Alors, il a tellement aimé, puis il n'a pas coupé l'oreille, effectivement. Il dit non, rengaine ton épée. Tu n'as pas besoin de cela. Il dit, je suis venu pour que les Écritures s'accomplissent. Penses-tu que je ne peux pas, moi, invoquer une légion d'anges descendre? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Mon frère et ma soeur, vous ne réalisez pas. Il dit, je peux simplement dire un mot. Et la terre tout entière peut exploser. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Dieu est tellement exigeant, mon frère. Vous ne réalisez pas, en fait, en réalité. On joue, effectivement, en se prenant pour quelqu'un qui est tellement si... Quand on vient à l'Assemblée de Dieu, effectivement, si... Vous devez être le peuple de Dieu tellement bouillant. À cause de ce que Dieu fait au milieu de vous, mon frère. On ne devait pas vous supplier pour chanter, pour louer Dieu. En entrant ici, on devait être senti dans l'atmosphère. Et quand lui monte ici, frère, plus de place. Mais c'est vous toujours comme si on a tout le temps, comme si des frénétiques et malades tout le temps. Mais Dieu guérit, vous le savez, frère. C'est une chute pour Dieu ce que vous faites.
Mais c'est la vérité, ça. Mais c'est vrai. Toujours, tout le temps, c'est comme si on doit vous bousculer. Ainsi, comme si vous êtes tellement si important, comme si Dieu avait besoin de toi. Il n'en a pas besoin, mon frère. C'est toi qui dois réaliser. Que si je n'étais pas, tu n'es pas en moi, Seigneur, mais je serais séparé de toi pour toujours. Parce que n'oublie pas, mon frère et ma soeur, tes jours sur la terre sont comptés. C'est mieux de mettre à profit les choses de Dieu pour toi, pour ton âme à toi. Oui. On doit réaliser la grandeur de la grâce de Dieu pour chacun de nous. Mais le problème, c'est que l'être humain est tellement à lui-même et un but de soi-même. C'est pour ça que nous ne réalisons pas quand nous sommes devenus des croyants. Ah, Seigneur, oui, quand je vais faire ceci, quand je vais beaucoup chanter, ce n'est pas le problème de beaucoup chanter. Le problème, c'est que tu connaisses. C'est lui que tu appelles Dieu. D'abord, si tu l'appelles Dieu, tu dois d'abord connaître l'autorité qu'il a. Ce n'est pas ton domestique avec qui tu dois donner des ordres et dire, voilà, Dieu, si tu ne me donnes pas moi, moi je ne vais pas venir dans ta maison. D'ailleurs, je viens, je ne trouve rien. Mais c'est normal. Hein? Parce que tu ne le connais pas. Voyez-vous, frères et sœurs, parce que dans les scènes d'écriture, nous serons fortement jugés quand même. Ouais, c'était à la fin des temps. Il y a eu cette femme syrophénicienne. Je me souviens de cette femme chaque fois que j'y pense, je dis, Dieu est grand. Avez-vous quand même pensé, parce qu'on le répète si souvent, mais je me demande si vous écoutez bien, vous prêtez attention, parce que les habitudes vont vous tuer, mon frère et ma sœur. Les habitudes vont vous amener dans les cercueils, dans la tombe et puis dans l'enfer. C'est pour ça que Dieu a rejeté les dénominations. Je le remercie vraiment de nous avoir fait sortir des dénominations. On était vraiment des aveugles. Béni soit l'Éternel pour son amour. Et c'est lui-même qui a décidé en fait. Par le secours d'un homme lui-même, il décide qu'au temps du soir, pas le matin, mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Plus là sur la terre, effectivement, aussi, bon, les religieux, ils méprisent la lumière que Dieu nous a donnée dans ce temps où nous vivons, parce qu'ils ont une conception tout à fait charnelle. Dieu, ça a aidé, effectivement, aussi, afin que nous puissions voir clair aussi, effectivement. Aussi. Donc, la femme syrophénicienne. Cette femme, elle avait vraiment un gros problème. Mais elle avait des dieux en Syrie. Des Grecs, effectivement, aussi. Vous savez, les Grecs ont beaucoup de divinités. Dieu de la fécondité, Dieu de ceci, Dieu de cela. Pour ceux qui ont étudié les Grecs aussi, effectivement, aussi, cette mythologie. Vous avez étudié, j'ai étudié aussi, donc je connais. Toutes ces divinités, donc, qui étaient chez les Grecs, ce sont ces divinités qui sont parties chez les Romains. Elle en avait, effectivement, aussi. De Dieu, elle en avait à l'appel. Mais lorsqu'elle a eu l'occasion de pouvoir traverser, arriver dans ce contrée-là, en Israël, je crois que les Juifs eux-mêmes ne se rendaient pas compte de la taille, de la grandeur de ce que Dieu a fait pour eux, la bénédiction immense. Les privilèges qu'ils avaient d'être d'abord appelés le peuple de Dieu, d'avoir eu prophètes aussi, des patriarches. À force de vivre comme ça, on s'habitue, on ne regarde même plus, on ne s'en rend même pas compte. On n'ouvre pas les yeux pour voir, Seigneur, je vis dans une période tout à fait particulière.
les habitudes vont vous tuer. Ce sont les habitudes qui vous empêchent de progresser sur les saintes écritures. Les habitudes qui vous poussent à avoir la désobéissance dans les saintes écritures. En disant que Dieu va quand même faire pour moi. Alors vous ne vous rendez pas compte, vous êtes tellement si loin. Tellement si loin. Parce que vous n'avez pas réalisé vraiment qui est ce Dieu en réalité. Vous l'avez fait de lui un copain en vous. C'est la vérité, frères et sœurs. Regardez très bien. Vous n'avez pas et vous n'appréciez pas Dieu à sa taille de Dieu. Vous l'avez ramené effectivement à un copain de tout le temps. Et vous ne l'avez pas vu dans cet angle-là, qu'il est vraiment Dieu. Et quand même, vous l'adorez effectivement. Ah, je t'adore effectivement. Vous l'adorez pas la taille de ce qu'il est Dieu en fait. C'est à la vue de vos habitudes. Mais vous ne pouvez pas imaginer, mon frère et ma soeur, de par le monde, il y en a beaucoup. Comme je vous l'ai dit dans les saintes écritures, les élus de Dieu sont sur la surface de la terre. Donc Israël, les Juifs, ne se rendaient même pas compte de la taille de la grâce que Dieu leur avait accordée à cause des habitudes. Ils se battaient pour savoir qui est la plus grande connaissance de ce que Moïse a eu à pouvoir connaître, et puis quelle est la plus grande doctrine, effectivement, comment je... C'est pour ça qu'il y avait des pharisiens, des hérodiens, des sadducéens, des synagogues à gauche et à droite, effectivement aussi. Puis là, à gauche et à droite, il s'est battu pour pouvoir avoir quelque chose pour se faire voir. Mais il ne réalisait pas dans leur intérieur, fort intérieur, ce qu'est le privilège qu'on leur avait accordé, d'avoir la grâce, d'avoir le Dieu du ciel qui a créé les cieux et la terre. Ce que toi, tu n'arrives plus à pouvoir saisir, en fait, à cause des habitudes. Quand tu sors de l'extérieur, regarde l'espace. Qu'est-ce que toi, tu peux donner à ces dieux-là? Il a dit, tout sur la terre m'appartient. Les animaux, comme les âmes et les champs et tout ça, tout ce qui est en dessous de la terre, que ce soit l'octe, ah, je suis riche parce que je possède, ce n'est même pas toi, c'est lui qui a créé toutes choses. Diamant. L'état, tout ça, les minéraux qu'on peut trouver par-ci, par-là, effectivement, qu'on ne sait pas, avoir, comme dire, ah, nous sommes, non, c'est pas vous, c'est lui. Qu'est-ce que l'homme a eu à pouvoir faire si c'était simplement la destruction? Non seulement vous détruisez ce que Dieu a eu à pouvoir faire d'une manière parfaite pour vous, mais non seulement cela, mais vous vous détruisez encore vous. Dieu n'a jamais tué. Ah, vous dites, ah frère, mais oui, je vais vous dire. Dieu n'a fait que créer. Il a créé l'homme. Il a créé la femme. Quand il a créé, il a placé là-bas. Est-ce que Dieu les a tués? Il est juste. Et qui est-ce qui a tué? Ce n'était pas Dieu. C'est l'homme qui a tué l'homme. C'est la vérité, non? Que Dieu vous bénisse, ma soeur. C'est l'homme qui a tué l'homme, pas Dieu. Même Dieu vient vers l'homme et dit, mais ne fais pas cela. Parce que moi, ce n'est pas ma nature. Ne fais pas cela. C'est toujours l'homme qui a porté la mort à l'homme. Jamais Dieu. Voyez-vous, frère, vous ne connaissez pas encore très bien. C'est ça notre problème en nous. Nous, nous devons être un peuple dans cet endroit, avec une telle ferveur, non mon frère et ma soeur, avec une telle chaleur de l'amour de ce Jésus pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait. Quand nous pouvons commencer depuis le 1er janvier 2023, il faut être méchant, hein? Il faut être mauvais, hein? Il faut être vraiment ingrat.
vraiment très ingrat. Jusque aujourd'hui. C'est le cantique qui dit compte les bienfaits de l'Éternel. Et tu verras que le nombre en est grand. Depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il a toujours pris soin de toi. Tu étais toujours, ah, j'ai une bobo ici, mais tu n'es pas mort. Alléluia. Malgré tes bobos, où j'ai ça, je ne peux pas, je suis ceci, c'est là, tu n'es pas mort. Tu es toujours là. Dieu t'a conservé la vie, mon frère. Puisque pour ça, sois reconnaissant. Mais au lieu de cela, tu te plains tout le temps. Oh moi, et oh moi. Depuis le 1er janvier, plainte sur plainte. Jusqu'au 31 décembre. Et quand il sort de ce Dieu-là que tu te plains, il te préserve des accidents. Il te donne du travail. Il te donne des vêtements. Il prend soin de toi. Tes problèmes, aussi grands soient-ils, il les solutionne toujours. Tu cherches encore les problèmes, il les solutionne toujours. Jusqu'aujourd'hui. Il y a de quoi quand même lui être reconnaissant. Alléluia. C'est pour ça que David criait, il me dit, quand je contemple, il dit, ouvrage de tes mains. La lune et les étoiles que tu as créées. Mon frère et ma soeur, prends le temps pour que tu apprécies la grandeur de la grâce. Lève les yeux à l'extérieur. L'étendue de l'espace. Et sur la terre, combien d'êtres humains? Et c'est Dieu-là qu'on est la pensée de chacun d'eux. Mais quand tu te lèves, quand tu te dis, mais avant même que la parole puisse monter dans ta bouche, moi je la connais entièrement. De chaque être humain sur la terre, il le sait. Oui, mon frère et ma soeur, c'est ce Dieu dont vous ne réalisez pas la taille ni la grandeur. Parce que regardez-vous vous-même, frère, vous vous donnez tellement trop d'importance. Je ne vais pas aller louer, je ne vais pas aller parce que c'est comme une cave, ce n'est pas un problème. Réfléchissez un tout petit peu. Et qui êtes-vous? Pensez-vous que quand vous ne l'aimez pas, vous ne voyez pas que ça va freiner Dieu? Il y a tellement de monde sur la terre, mon frère, qu'il a créé et déployé. Et quand même les hommes ne le voudraient pas, les oiseaux. C'est ça, en fait, que nous ne réalisons pas, nous, en fait, en grandeur. C'est lui avec qui nous marchons et la grâce. En plus, que ces dieux-là marchent avec toi. Tu devrais tous les jours être à genoux, pleurer et lui dire merci. Parce qu'il ne manque pas de travail. Il a des anges. Il n'y a pas seulement les cieux que tu vois, il y a les cieux des cieux. Salomon priait quand il a eu le pouvoir dresser le temple. Il dit, mais quelle maison pourrait-elle se bâtir? Cet homme comprenait, il avait la sagesse, mon frère. Il se dit, ah, j'ai fait pour Dieu, j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Il dit, mais quelle maison pourrais-je te bâtir? Voici les cieux des cieux. Ne peuvent te contenir.
Alors, il faut que tu sois reconnaissant. Que ces dieux-là qui a tellement des âmes, effectivement aussi, parce que, souvenez-vous que tous ceux qui ont cru en lui, qui l'ont toujours servi, ils sont vivants. Ah bon, vous me regardez, mais écoutez bien, c'est ce qu'il a dit, non? C'est qu'ils ont, quand que Dieu te bénisse. C'est bien sûr, c'est vous quand les seuls-là qui ne croyaient pas à la résurrection. Ils ont dit, voilà, il y avait une femme, puis il a eu 7 femmes. À la résurrection, de qui sera-t-elle? Vous, effectivement, mais vous ne comprenez les Écritures. Mais c'est pas qu'il est écrit que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu de vivre. Tu as toujours un peuple. Regardez très bien comme nous l'avons lu dans la Sainte Écriture. On n'a peut-être pas beaucoup lu, mais on nous a parlé des myriades et des myriades. Vous savez ce qu'ils avaient des myriades? Des myriades et des myriades qui disent Alléluia, le Seigneur notre Dieu est entré dans son règne. Bon, dans ces myriades-là, regarde-toi un tout petit peu toi-même. Pensez, frère, vous ne pensez pas très bien. Vous donnez tellement des galons. Tellement de prestance en vous, vous pensez comment tellement si important, Dieu te bénisse. Il suffit d'avoir un peu une petite connaissance comme ça, tu dis que les autres là, je ne peux pas, tellement si important, mais tu n'es rien. Avant toi, il y a eu des hommes. Et des femmes qui ont vraiment eu la grâce de connaître qui étaient ces dieux. C'est pourquoi on nous a dit ici dans les Saintes Écritures qu'ils ont même accepté d'être sciés. Mon frère, ma soeur, toi, tu n'as pas encore souffert. Hein? Ouais, c'est vrai, ça. Ces gens-là, ils ont accepté d'être sciés. C'est écrit, hein? Ils vivaient, toi, tu vis aujourd'hui dans un dans une maison luxueuse. Hein? Ouais. Eux, ils étaient dans quoi? C'est pour ça qu'on se plaint toujours. Ah, ce n'est pas assez. Mais ils n'avaient pas besoin de pouvoir arriver à pouvoir avoir des grandes choses, du luxe, effectivement. À cause de la parole de Dieu, ce qu'ils pouvaient obtenir là. Ils s'est contenté de cela. Amen. Vous savez, je crois que nous l'avons lu ici dans le verset 36, il dit. Verset 36, il dit. D'autres subirent le moquer. Hébreu 11, hein. Les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Est-ce que tu as entendu un fouet à cause de l'évangile? Il suffit simplement qu'un frère vous dise une parole un peu mal placée à ton endroit. Je ne vais plus à l'église. Tu ne supportes pas ces soeurs-là, ces frères-là. Je ne vais plus à l'église. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? On est tellement soi-même important que si on te touche, on a touché plus de l'or. C'est comme ça que vous êtes. Ne regardez pas les autres dedans. Regarde-toi toi-même. Toi, toi-même. Foué. Prison. Des chaînes, effectivement. Je ne vois pas un frère ou une soeur qui accepterait qu'on puisse se fouetter à cause de l'évangile. Et même s'il y a un petit fouet qui tombe sur lui, ben je pense qu'il cherchait à pouvoir fuir l'église. C'est à cause des choses de Dieu, effectivement, je trouve que ça ne va pas tellement très bien. Personne n'accepte cela aujourd'hui. On veut un évangile tellement si propre, où tout le monde se sent tellement dans le confort. Il suffit simplement que les chauffages ici que nous avons, merci Seigneur que nous avons pu avoir le chauffage, ne fonctionnent pas. Ce sont des murmures. Ouais. Que les ventilateurs ne tournent pas, ce sont des murmures.
Oh, dans cette assemblée, tout est, ça ne marche pas. Et puis c'est froid. Et puis ça me rend malade. Et puis, je ne sais pas, ça fait ceci. Et puis les autres, ah, je ne peux pas venir avec mes enfants. Ils vont tousser. Parce que là, on n'est pas, il n'y a pas un confort dans cette assemblée. Il y a ceci, vous plaît. Pose-nous la question, effectivement. Les enfants d'Israël, ils avaient des climatiseurs. Et leurs enfants dans les pouponnières. Nous sommes trop imbus de nous-mêmes. Nous sommes tellement charnels. Mais en fait, on est en fait des chrétiens modernisés. Regardez-vous, sincèrement, quand vous sortirez, regardez très vous, très très bien vous. Non. Et quand vous êtes comme ça, vous le communiquez aussi à vos enfants. C'est la vérité, vous savez. Très facilement, ça passe, ça se communique. Ah bon, quand il dit, d'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Écoutez bien. Ils furent lapidés. Vous savez ce que c'est que lapidé? Donc, lapidé, c'est-à-dire que vous avez toutes les pierres, effectivement, quelque part, et puis on vous met là. Alors, on commence à vous jeter les pierres. C'est ce qu'on a fait avec l'apôtre Paul. On vous lapide. Et ils étaient lapidés pas parce qu'ils avaient volé. Non, pas parce qu'ils avaient fait du mal. Non, à cause de Dieu. Et vous, c'est pour savoir les degrés dans lesquels il s'est trouvé dans la considération de la divinité qui savait qu'il était Dieu. C'est pour cela que ces jours-là, quand on leur a mis la zène, l'institut, effectivement, on dit, bon, voilà, nous vous donnons la facilité de vous sentir bien dans le confort. Il faut simplement s'agenouiller devant cette statue quand le psalterion va sonner, effectivement, si... Ou sinon, vous avez la fournaise. Avec la considération que nous avons tous, effectivement, de ces dieux et dans ce que nous sommes aujourd'hui, sûr et certain qu'on va fuir la fournaise. Vous êtes silencieux, vous dites non, frère, non. Vous étiez dans ce temps-là, vous fuirez la fournaise. Vous iriez de l'autre côté. La preuve, c'est que vous vous examinerez, frères et sœurs, par vos habitudes, par vos actes que vous posez aujourd'hui, alors que l'Évangile te dit quelque chose et tu agis autre chose avec ton frère, avec ta sœur. Comment peux-tu me dire que en ces jours-là, effectivement, en ces temps-là, parce que vous savez ce que l'Évangile nous demande, c'est la volonté. Et de Dieu qui s'est effectué. Et toi, tu dois connaître la volonté de Dieu. Donc ces hommes-là, ils connaissaient ce que c'est que t'es leur Dieu. Nous l'avons lu dans Exode, effectivement, au chapitre 20. Tu n'auras point d'autre Dieu devant. Tu ne t'agenouilleras point, tu ne le serviras point. Ils le savaient, c'est Exode. Regardez, effectivement. Oui, bien sûr. C'est dans Daniel après. Bien reçu, entendu, parce que c'est quand tu connais ces dieux, sa taille, sa grandeur, ils ont dit, sache au roi, nous te respectons, mais que pour ce que tu nous demandes là, non. Et nous sommes sûrs, nous savons que notre Dieu, il a la capacité de nous délivrer de la fournaise. Ils savaient où situer effectivement ces dieux en question. Et toi, où se situe-t-il dans ta vie en fait? Dieu que vous servez en fait, il est comparable. Égal à l'argent
cherchez à voir. Regardez comment vous vous battez. Regardez, frères et sœurs, comment vous vous tuez pour l'argent. Vous êtes même prêt à pouvoir même sacrifier un frère, une sœur. La personne que tu appelles ton frère et ta sœur à cause de l'argent. Vous savez, dans Luc au chapitre 16, je pense, je vais vous lire avec vous. Luc chapitre 16, il nous dit. Verset 13, il nous dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Donc, vous ne pouvez servir Dieu. Et moi, non. Vous savez ce que ça veut dire, non? La Founia pourra citer ici une fois. On dit que vous ne pouvez servir Dieu et maman. Le cœur de tout un chacun de nous ici est toujours tourné vers l'argent. Les combats que nous avons, même quand nous sortons ici, on court chez nous, c'est toujours l'objectif, il faut que je gagne de l'argent. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes sincère, c'est vrai. Même si vous ne dites pas c'est vrai, c'est la vérité, cela. Parce que le monde tourne autour de l'argent. Et vous avez été trompé par cela. Ce que je vous ai toujours eu à pouvoir vous dire, nous devons connaître aussi notre adversaire. Il est tellement rusé et malin. C'est Dieu lui-même qui nous a dit ça. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Mais regarde les pièges dans lesquels il a mis le monde. C'est que l'objectif de tout être humain sur la terre, c'est l'argent. Or, l'objectif de chaque être humain sur la terre devait être Dieu. Parce que ce n'est pas l'argent qui t'a créé. Ce n'est pas l'argent qui t'a façonné. Je ne sais pas si vous comprenez. Le diable est arrivé vraiment à faire tel que les choses changent comme ça. Dans l'esprit, et ça a attrapé tout le monde. Aujourd'hui, vous avez des problèmes à cause de l'argent. Or, l'Écriture nous fait savoir. Voici donc les bénédictions qui seront ton partage. Quand ça? Lorsque tu obéiras à l'Éternel. Voulez-vous qu'on lise? Amen. Merci. Deutéronome 28. Ah, que Dieu soit béni. Ah, si ça peut être gravé en vous, je suis heureux, ça me console d'entendre déjà que vous le savez. Ah, que Dieu soit béni. Ça, c'est une grande consolation. Nous lisons donc dans des Deutéronomes. Voilà. Deutéronome chapitre 28, on lit verset 1.
Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, il faut qu'il soit ton Dieu. Quelle grâce qu'il nous dise à nous, je suis l'Éternel, ton Dieu. Abraham était un homme heureux. C'est la vérité, mon frère et ma soeur. Parce que cet homme ici, Dieu lui dit, voici l'alliance que je fais avec toi. Ce n'est pas Abraham qui a cherché. Il dit, voici l'alliance que je vais faire avec toi. Je t'ai observé, Abraham. Je vais maintenant faire une alliance avec toi, en sorte que moi, je sois ton Dieu à toi. Oui, il était un homme heureux, cet homme. Lorsque, d'ici tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Amen. Vous le croyez, hein? Amen. Il va, il dit, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Sur toutes les nations de la terre. Et puis il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Merci. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, c'est-à-dire que tous tes bébés. C'est pour ça, mon frère et ma sœur, tu ne peux pas être stérile. Même si Satan a eu à pouvoir faire tout, pouvoir fermer quelque part, toi tu es appelé à être fertile, avoir une postérité, mon frère et ma sœur. Vous le croyez? Amen. Mais parce que c'est pour vous que Dieu a eu. J'ai reçu un appel ce matin à 5h du matin, 5h29 du matin. Et cet appel venait de la France, c'était donc une sœur, la sœur Damaris. Elle l'a appelé, parce qu'elle l'a appelé, j'ai mis ma main pour prendre le téléphone, elle est passée déjà à ma messagerie. Qu'est-ce qu'elle m'enregistre? Ce que j'entendais en messagerie, c'était son bébé qui pleure. Il y en a aussi ici. Dieu donne des bébés. Le fruit de tes entrailles, n'est-ce pas? Le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, de ton menu bétail. Toutes ces choses seront donc. Ta corbeille et ta huche seront. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. Donc, quand toi, tu arrives dans un pays, dans une ville, la bénédiction te suit. Frère, ceci est 100% vrai, mon frère. Dieu n'a pas dit que toi, tu dois être pauvre dans ta vie, que tu vas manquer ici. Non, tu as le Dieu du ciel qui est ton Dieu à toi. Et non seulement il est ton Dieu, mais il est devenu ton Père à toi. Donc, passant de Dieu au Père, mon frère. Donc, toi, tu as un Père qui est Dieu. Gloire à Dieu, mon frère. Oh, que son Seigneur soit béni. Amen. Juste pense à un fils qu'à un moment. Amen.
mais tu ne l'as pas emprunté. Non. Non, 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 non. Il est vraiment. Il est vraiment ton Père à toi. C'est pour ça qu'on a dit prie notre Père, dans mon Père qui est aux cieux. Alléluia. Oui, monsieur. J'ai chez moi. J'ai un chez moi, mon frère. Que Dieu nous aide. Alors, qu'est-ce qu'un démon? Mais qu'est-ce que même Satan? Frère, qu'est-ce qu'il peut te faire, mon frère? Non, non, c'est pas seulement pour dire, mais il faut comprendre cela. C'est pour ça que Paul disait, mais si Dieu est pour nous, et qu'il est avec nous, les démons peuvent faire quoi? Les démons n'ont pas la force, mon frère. Parce que ce sont des anges que ton Père a à toi. Réfléchis un peu. Les anges que ton Père à toi, il a créés. Les anges ont été créés, mon frère. Mais toi, Dieu t'a engendré. Mon frère et ma soeur, nous devons être de ceux-là qui s'élèvent en criant « Loué soit l'Éternel ». Donc tu rentres chez toi à la maison, mon frère. Avec cette voix au-dedans de toi, dis, mais Seigneur, que ton nom soit béni. Parce que sur la terre, je ne réalise qu'il ne manquera jamais de rien. Parce que j'ai un Père, j'ai un Dieu qui pourvoira dans tous mes besoins sur la terre. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être obéissant et fidèle à ta parole. Jamais murmurer, mais toujours t'obéir dans les bons comme les mauvais jours. Parce que quand les jours sont mauvais, tu les fais les bons pour moi. Alléluia. Tu m'as dit, toi, tu m'as dit que toutes choses concourent pour les bien de ceux qui t'aiment. Alléluia. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Il n'y a rien qui doit vous faire trembler. Oh, il y a tel problème. Quand le diable fait susciter un problème, avant même que le diable puisse même penser à le faire, ton Père le savait. Parce qu'il te dit, lui, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Omniscient et omniscient. Ce ne sont pas des formules en fait, mais c'est la nature de ces dieux en fait. Que rien ne peut lui échapper, mon frère. Même la Bible est définie avant même que tu sois au monde. Les jours qui t'étaient destinés. Oh, que Dieu nous aide. L'évangile n'est pas une formule en fait. Ce que Dieu, notre Père, veut que nous puissions réaliser, comprendre, en fait. Tous ceux qui ont eu à pouvoir vaincre, ils avaient compris. Les secrets, ils l'avaient. C'est pourquoi, quand le maître est sur la terre, il dit, mais détruisez ce temple, je le rebâtirai. Il avait l'assurance. Parce que les secrets, ils savaient. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ça, c'est important que nous le sachions. Parce que ce qui nous tue, en fait, c'est qu'on court après devant. Les lieux dans lesquels nous pouvons vraiment avoir l'empressement et ne pas être en retard.
ce n'est pas le travail parce qu'on a peur du patron. Voyez-vous, vous méprisez celui qui même contrôle le temps. Vous avez rendu Dieu à quelqu'un de tellement petit. Or, il est important que vous le sachiez. Si le temps existe, c'est parce que lui, il est sorti de l'éternité pour dresser le temps. C'est pour ça qu'il y a eu au commencement. C'est pour ça qu'on dit qu'au commencement, c'est quand Dieu a commencé à crier que le temps est entré. C'est pour ça qu'on dit le premier jour, le deuxième jour, parce qu'avant ça, c'était l'éternité. Donc celui qui contrôle même le temps sur la terre, qui est l'auteur même le temps, l'auteur même des saisons, même des jours, effectivement, c'est parce qu'il a mis la lune et le soleil, effectivement, pour marquer les jours et les temps. Il est plus grand que vous pouvez l'imaginer. C'est celui-là dont on doit craindre. Parce que vous vous levez vite le matin parce qu'il faut que j'arrive à pouvoir avoir le temps pour arriver à pouvoir atteindre les lieux de mon travail pour mon patron. Ce qui te pousse là, c'est parce que c'est les jours où tu vas travailler. Mais Dieu peut faire en fait que ces jours soient ténébreux. Complètement, comme il y en a fait en Égypte. Et comment tu vas faire avec les temps? Parce qu'à ce moment-là, tout est sombre. Et même au travail en question, comment tu vas aller travailler puisque tu ne vois rien? Vous craignez quelque chose qu'il ne faut pas craindre. Nous devons craindre celui qu'il faut craindre. Juste un tout petit peu, les hommes se sont enorgueillis en faisant des routes, un tout petit peu. Un tout petit peu, il fait monter simplement les eaux. C'est la débandade partout. L'orgueil de pouvoir faire. Nous avons, vous savez, les gens étaient là, je vous avais entendu, nous allons quitter, nous allons fêter le nouvel an en Angleterre, effectivement. Il fait simplement monter les eaux. Dans les tunnels, tous les tunnels, tous les trains de Londres. Oui, oui. Nous, les trains, on va à l'aéroport, il fait lever la tempête. Tous les avions sont partis. Alléluia! Merci, Seigneur. Il contrôle toutes choses. Et toi, qu'est-ce que tu contrôles? Qu'est-ce que ton gouvernement contrôle? Oh, alléluia, rien. Nous avons des milliards. Bon, l'inondation vient. Évacue-moi de l'eau. Alléluia. Que les milliards fassent le travail. Alléluia. Que les milliards fassent le travail. Qu'on voit comment les milliards vont lever de l'eau. Frère, vous ne regardez pas très bien. Vous n'arrivez pas, mon frère et ma soeur, vous méprisez Dieu. C'est triste. Vous prenez tellement si important, même avec tout ce que vous pouvez avoir d'étudier, tellement si important, alors que vous n'avez pas bien réfléchi. Qu'est-ce qui me rend tellement si important moi-même? Comme je le disais tout à l'heure, je vous prends un tout petit peu de temps. Israël était tellement pu, tellement dans ses pensées, pour dire moi je suis, il ne se rendait même pas compte plus compte de la grâce même qu'il a de pouvoir avoir effectivement
un Dieu qui a eu à pouvoir choisir ses pères ainsi de suite. Mais cette femme-là, la syrophénicienne, dans sa contrée, elle a regardé qu'il y avait des dianes, on avait des déesses de ceci, des déesses de cela, effectivement, des statues. On avait fait des libations comme des je pense, c'était les Thaïlandais. Avec Bouddha qui a un gros ventre et qu'on met. Oui, c'est comme ça qu'ils sont. On a pu mettre des bougies, des bonbons, des encens, tout ça. On fait tout ça avec. Frère, ça, il dit, mais on a tout fait là-bas. Il dit, mais dans mon pays, on a assez ajouté devant ces statues-là. Il n'y a rien qui se passe. Amen, amen. Mon frère et ma soeur, il n'y a aucune statue, même aucun démon qui peut arriver à pouvoir répondre parce que c'est Dieu qui contrôle tout. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu tout-puissant, mon frère. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il contrôle l'espace et tout, mon frère. Il n'y a aucun esprit qui peut dire je vais faire. Mais c'est Dieu qui contrôle et c'est Dieu qui permet. C'est Dieu là, c'est ton Dieu à toi, ton Père à toi, mon frère. L'unique et le seul Dieu. Alléluia. Il a dit, avant moi, n'a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y aura jamais de Dieu. Je suis le seul, l'unique, le Yahvé, le Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, mon roi. Il est vivant, il vit, et quand il parle, la chose s'accomplit. Il n'y a point de Dieu semblable. Gloire à Jésus, mon roi. Alléluia. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. C'est ce Dieu-là que nous servons, mon roi. Nous devons nous rendre compte, mon frère. Ne plus lui donner des miettes, mon frère. Mais lui donner la place qu'il faut. L'adorer avec ce que nous avons. Parce qu'il est notre Dieu, mon frère. Oui. La Bible dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Et nous sommes appelés à pouvoir le faire. Ah oui, c'est sûr et certain. C'est pour ça que quand il a traversé la contrée, il a regardé, il dit, c'est pas possible. Il dit, mais ce peuple a quelque chose de particulier. Et pour ça, il commence à voir, mais c'est maître de quelqu'un qui a pris l'ennemi. Et puis il m'a dit, qu'est-ce que ma fille est cruellement, tourmentée dans mon pays. C'est extraordinaire. Mais parce qu'elle a réalisé effectivement la taille de cet homme-là, mon frère. Il dit, dans mon pays, il n'y en a point de comparable. J'ai scruté à gauche et à droite. Je n'ai pas trouvé. Je me suis agenouillé devant Juno, devant Jupiter, tout cela. Et si j'ai invoqué, j'ai imploré, rien. Nous n'avons que des statues et des mains de terre. Il dit, mais ce pays n'a pas compris. Il ne réalise pas la grâce qu'ils ont. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tellement elle était sûre et certaine convaincue parce qu'elle a comparé chez elle. C'est pour ça qu'elle est venue, mais aie pitié de moi. Même, il m'a dit, mais renvoie-la. Elle a entendu cela. Il dit, oh, celui-là, vous connaissez ta mère, je le connais. J'ai comparé, j'ai regardé, il n'y en a point de semblable. C'est ça, mon frère. On réalise qui il est. Quand on sait qui il est, on n'est plus la même personne. Hein? C'est pas à cause d'un petit bobo que je dirais, Seigneur, ne guéris pas. Non, parce que je l'ai déjà expérimenté, mon frère. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, parce que je sais qui il est. Ah, c'est. S'il ne répond pas maintenant, c'est pas qu'il ne va pas agir. Je me souviens de Marthe et Marie aussi.
les arrêter malades. On a envoyé les messages, il a bien reçu les messages. Il a bien entendu, effectivement, elle l'a crié vraiment. Il savait. Mais Marthe et Marie à la maison ne savaient pas qu'il était conscient. Mais comme il savait qui il était, malgré que leur frère était mort, il a dit, si tu étais ici. Oui, mon frère et ma soeur. Connaître, c'est Jésus. Savoir qui il est, ce qu'il est capable de faire dans ta vie à toi. Les changements puissants qui peut opérer dans ta propre vie. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez en lui, en fait. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous contactez un peu de faire des comédies qui ne servent à rien. Tu n'as pas besoin de comédies. C'est sûr et certain parce que tu as besoin de la réalité parce qu'il est capable. Je crois que notre Anne Gaëlle a chanté tout à l'heure. Oui, quand on dit qu'il est capable, soyez sûr qu'il est capable de changer ta vie, de solutionner ton problème. Avec sa taille et sa grandeur, quel est le problème d'un être humain qui ne peut pas accomplir, mon frère? Donc la Bible dit qu'il dit la chose arrive, il ordonne l'existe, et il ne peut pas solutionner ton problème. Si l'Église de toi, effectivement, la perfection, ce qui a la capacité. De te rendre parfait. Mais c'est vrai, ça. Le problème, c'est la place que tu l'as placée. Regarde, depuis toutes ces années, effectivement, aussi. Le problème ne peut pas être de lui. Parce que lui règne. Continue à contrôler toutes choses. S'il ne le faisait pas, parce que c'est lui qui tient la terre dans sa main. Regardez bien, quand il voyage dans l'espace, la terre est suspendue. Suspendue, je vois. Vous avez vu une corde là comme ça qui la tient dans sa main. Alléluia. Il a placé là, il dit, toi tu sois ici. Ne bouge que quand je te dis de bouger. Alléluia. Frère. Nous avons un Dieu. Le Dieu de la Bible. Non. Il est tellement si puissant. Rien que par la parole que vous écoutez, il vous guérit. C'est sûr et certain. Vous sentez la puissance. Mais c'est parce qu'il est là. C'est sa parole. Sans l'ombre d'un doute, vous le sentez. Ça ne peut pas venir d'un homme. Mais c'est parce que vous ne le voyez pas, mais il est là. C'est Dieu qui agit encore aujourd'hui. Comme hier encore. Quand il a marché sur la terre, il est là aujourd'hui aussi. Pour accomplir sa parole. S'il fait la promesse, il est aussi capable. Alors, lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur. Tu es puissant, mon roi. Tu es vivant, mon bien-aimé Père. Tu es présent, mon Sauveur. Tu es le roi qui remplit le ciel de la terre, mon roi. En dehors de toi, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas d'autorité. Satan a été vaincu, mon roi.
Mais voici avec ton peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il est à toi, mon bien-aimé Seigneur. Descends et remplis ceux qui sont à toi. Tu es le Dieu merveilleux, mon roi. Tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui remplit, le Dieu qui baptise encore du feu, du Saint-Esprit, mon roi. Maître béni, mon roi. C'est ton peuple, mon bien-aimé Père. Descends, mon roi. Prends le contrôle, mon bien-aimé. Parce qu'il est à toi. Tu es présent, mon roi. Je te suis reconnaissant, mon sauveur. Tu es présent, mon roi. Ta présence est là, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Saisis mon frère. Saisis ma soeur, mon roi. Ton peuple à toi. Nous voulons que tu puisses avoir ta place, mon Seigneur. Juste ta place à toi, mon bien-aimé Père. Tu es le Dieu très haut. Le roi des rois. Tu l'es, mon maître béni. Remplis ton peuple, mon roi. Il est à toi, mon bien-aimé Seigneur. Oh, tu es le Dieu tout-puissant. Nous sommes à toi. Nous te remercions, mon bien-aimé. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Descends, mon bien-aimé. Prends le contrôle, mon roi. Descends et toi, gloire du matin. Remplis, oh Jésus, mon roi. Saisis ton peuple, mon roi. Il est à toi. Il est à toi, bien-aimé, Père Tout-Puissant. C'est ton héritage. C'est ta postérité. C'est ta propriété. Loué l'Éternel. Tu es là, oh Jésus. Tu es présent, mon roi. Sois béni. Sois glorifié. Remplis, Seigneur. Remplis, mon roi. Manifeste ta grâce. Ta grandeur, oh Jésus. À toi la gloire. L'honneur, la puissance, mon roi. Tu es merveilleux, Seigneur. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es merveilleux, mon roi. Tu es l'Éternel. Mais de la terre de tous nos excellents, mon roi. Le merveilleux, c'est toi. C'est toi qui libères les captifs, mon roi. Satan n'a aucun droit. Je chasse tous les démons. Au nom de Jésus, mon roi. Descends et toi, Père du matin. Prends ta place à mon frère. Prends ta place à ma soeur. Prends ta place à nos enfants. Alléluia. Nous sommes à toi, Père. Gloire à Jésus. Merveilleux ton Seigneur, mon sauveur. La gloire te revient, mon roi. L'honneur te revient aussi, mon Seigneur. Parce que tu es vivant, mon roi. Prends le contrôle, alléluia. Tu es digne d'être adoré, mon Seigneur. Nous te remercions, mon Seigneur. Béni soit ton Seigneur. L'honneur et la gloire te reviennent, mon bien-aimé Père Dieu. Tu es le roi des rois. Merci, Seigneur. Tu es le seul, mon roi, l'unique, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui est monté, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, qui a vaincu, Père Tout-Puissant-Dieu, la terre, bien-aimé Dieu, tu as vaincu tout, mon roi, Seigneur, et tu es monté dans les hauteurs, mon Jésus, mon roi, louange à toi, mon Seigneur. Merci, merci. Merci. Loué soit ton Saint-Nom. Oui, tu es l'alpha et l'oméga, mon sauveur. Oh, tu es l'éternité toi-même. Tu es le maître de l'univers. Tu contrôles tout. Yahvé, Jésus, mon roi, sois béni. Merci pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur. Sois béni, oui. Sois exalté, mon sauveur. Merci. Merci. Béni soit ton Seigneur. Change notre façon d'être pour moi. Oh, change notre façon de voir, bénévole Père Saint-Dieu. Et transporte-nous, mon bénévole Père Tout-Puissant, pour que nous puissions réaliser la grandeur de ton nom, mon bénévole Père Saint-Dieu. Qui tu es, mon bénévole Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, mon roi. Tous nos problèmes ont été solutionnés, mon roi. Tu as guéri nos maladies, bénévole Père. Gloire à Jésus-Christ, mon roi. Alléluia. Gloire à toi, mon sauveur. Oh, tu as ôté le fardeau de mon cœur. Le fardeau du cœur de mon frère et de ma soeur. Tu l'as rendu libre, mon bien-aimé Père. Merci, Seigneur. Gloire à toi.
merci. C'est ta puissance. Tu es le Dieu qui s'assujettit toutes choses, mon bénévole Père, mon Dieu. Louange à toi, mon bénévole Père. Merci. Béni soit ton Seigneur. Oui, tu contrôles tout, mon roi. Tu contrôles tout, éternel. Tu agis, Père du puissant Dieu, dans tous les domaines de notre vie, Seigneur mon Dieu. Contrôle la vie de ma soeur. Contrôle la vie de mon frère. Les ailes de mon Père du puissant. La joie du salut, mon roi. Restons au nom de Jésus-Christ, mon roi. Alléluia. L'alpha et l'oméga, le véritable, c'est toi, mon roi. Nous n'aimons que toi, Jésus. Nous ne servons que toi, mon roi. Nous ne chanterons que ton nom. Avec l'adoration, mon bien-aimé, Père du puissant Dieu. Quand tu le demandes, mon bien-aimé, Seigneur. Alléluia. Le véritable, c'est toi. Merveilleux est ton Seigneur. Merci, Seigneur. Délivre-moi. Merci. Gloire à toi. Tu es vivant, mon roi. Remplis ton peuple, mon bénévole Père son Dieu. De ta victoire, de ta vie, Père ton Dieu. De ton Esprit Saint, mon bénévole Père mon Dieu. L'âme saisie, mon roi. Que mon frère ne soit plus pareil. Que ma soeur soit plus pareille. Nos enfants de même. Saisis par ta puissance. Au nom de Jésus, mon roi. Alléluia. Oh, que l'assemblée ne soit plus pareille, mon roi. La vie de Christ. Oui, Père. Merci. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Tu es puissant dans la bataille, mon roi. Oui. Gloire à toi. Louange et honneur à toi. Merci, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Tu avais promis, mon roi. Alléluia. Loué soit l'Éternel, notre Dieu. Jésus-Christ, mon roi. Gloire à toi. Sois exalté, sois adoré. Merci. Oh, que la vie de chacun soit changée. La nature changée, mon bénévole Père, Dieu. Ah, que nous puissions t'adorer comme tu le mérites, mon roi. Que le Saint-Esprit remplisse tes cœurs, mon bénévole. Parce que tu es Dieu, mon roi. Baptise du feu et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, mon roi. Louange et honneur à toi. Merci. Alléluia. Nous avons soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Alléluia. Je bénirai l'Éternel en tout temps. La louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Béni soit l'Éternel. Puissant conseil, mon roi. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Béni soit Jésus-Christ, mon roi. Alléluia. Puissant de la bataille. Oh, le roi des rois. Nous le couronnerons. Béni soit ton Seigneur. Alléluia. Maître de l'univers. Tu contrôles l'espace, mon roi. Tout ton pays. Merci. Merci. Merci, la grandeur de la puissance de Dieu. Oh, tu es Dieu, merci. Merci, loué soit ton Seigneur. Merveilleux est ton nom, mon roi. Mon âme te loue, mon âme t'adore et t'exalte, mon roi. Saisis les grands des boucliers. Seigneur, agis encore davantage, mon roi. Déracine, mon bénévole Père, oh Dieu. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Déracine tout ce qui est mauvais. Que le Saint-Esprit vienne au nom de Jésus, mon roi. Alléluia. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Merci. Oh, merveilleux Jésus. Merveilleux, mon maître bénévole. À toi la gloire, l'honneur, la paix.
puissance et la victoire. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es le véritable. Le Dieu vivant présent parmi nous. Sois béni, sois adoré, sois glorifié. Louange à Jésus-Christ, mon roi. Merci, oh Jésus, mon roi. Sois béni, sois exalté, mon maître, béni, Père, oh Dieu. Loué soit ton Seigneur. Béni sois-tu, mon roi. C'est une grâce. C'est un privilège, mon roi. De te recevoir, Père, oh Dieu, maître, béni. Alléluia. Oh, gloire à toi. Merci. Merci. Ton nom est si grand. Ton nom est grand, mon roi. Ton nom est grand. Souviens-toi de nous, mon Seigneur. Souviens-toi de ton peuple, mon roi. Oh, que la mort soit ôtée au nom du Père, Dieu, Père Tout-Puissant. Et que ton peuple vive, mon roi. Que tout ce qui est mauvais soit ôté en œuvre de mes pères, oh Dieu. La délivrance et la guérison, Père de mes pères. La bénédiction, Père de mes pères Tout-Puissant. Que la malédiction soit ôtée au nom de Jésus-Christ, mon roi. Alléluia. Qu'il vive pour ta gloire. Avec toi, mon Seigneur. Ne passe pas outre, mon maître béni. Ne passe pas outre, mon Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Besoin du Dieu vivant. Notre âme a soif de Dieu. De ce Dieu vivant, mon roi. Alléluia. Gloire à toi, mon Seigneur. Merci. Merci. N'oublie aucun mot de mon père. N'oublie personne. Dans tous les bâtiments, mon bénémoine Patrissant. Oh, ceux qui sont en connexion à différents endroits. Oh, Seigneur, visite chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ, mon roi. Oui, Père, tu es le Dieu qui est omniscient, de potent, de Patrissant. Grâce au Dieu, tu es partout pour moi. Sois béni, Père. Oh, merci. Merci. Oh, change-nous, Père. Transforme-nous. Loué soit l'Éternel, mon roi. Merci. Oh, merci. Profondeur. La profondeur. Tu as marché avec Abraham. Alléluia. Tu as marché avec les apôtres, mon roi. Marche avec nous, mon Jésus. Marche avec nous, mon Sauveur. Nous te désirons. Plus que notre vie, mon roi, nous sommes à toi, mon Seigneur. Nous voulons t'adorer, nous voulons te servir. Oh, que notre vie soit changée. Merci. Merci. Pardon. Soutien. Merci, Seigneur. Merci. Gloire à toi, honneur à toi, merci Seigneur, et la vie de mon frère et de ma soeur ne soit plus jamais pareille pour moi. Oh Jésus-Christ pour moi, nous a placés sur la voie. Oh, nous te désirons toujours, mon bénémoine Père. Nous chercherons ta face et continuellement, Père, oh Dieu, parce que nous voulons vivre avec toi chaque jour. Gloire à toi, mon Seigneur. Et pitié de nous, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Souviens-toi de cette assemblée, Seigneur. Souviens-toi de ce peuple, mon roi, pour voir pour leurs besoins. Oh, Jésus-Christ, je brise tous les liens. Oh, nous, je dis la face de Dieu. Que ton peuple soit libre, mon roi. Oui, qu'il soit libre d'être béni, mon roi, d'être protégé. Gloire à toi, qu'il soit vraiment protégé par toi. Merci, béni par ta main, Seigneur. Merci. La cause est ton sang. Pour la gloire de ton sang. Merci. Merci, Seigneur. Nous sommes venus à toi. Parce que tu es présent au roi. Merci, Père Saint-Dieu. Merci, notre Dieu.
gloire, j'ai honneur à toi. Pour ta bonté, pour ta grandeur, mon Seigneur. Merci. Oh Jésus. Souviens-toi. Dans le cœur, mon roi, la larme, mon chagrin. Que ta parole à toi trouve une place. Seigneur, tu es sous tes ailes, nous sommes protégés. À l'ombre de tes ailes, mon roi. Oh, nous trouvons un refuge, mon Seigneur. Oui, béni soit ton Seigneur. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci. Dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur, nous voulons persévérer, mon Seigneur. Nous voulons persévérer pour moi. Merci. Oh, que mon regard sur mon frère soit différent, sur ma soeur aussi soit différent. Merci, merci. Merci. Oh, nous pouvons être toi. Parfait, mon bénévole Père Saint-Dieu, comme tu le désires, je t'en supplie, mon roi. Viens-nous en aide, mon bénévole Père. Oui, Père, à toi la gloire. Le cœur, la puissance est à toi. Merci. Merci, Jésus. Merci. Oh, Dieu. On se voit, mon roi. Gloire à toi. Nous voulons. Merci un tendre à ce qui est parfait, mon Seigneur. Nous voulons tendre à la perfection, mon bénévole Père Saint-Dieu, dans notre marche avec toi. Oui, la perfection, mon bénévole Père Saint-Dieu. Oh, que tout soit soit au thé, mon bénévole Père Saint-Dieu. Nous voulons tendre à ce qui est parfait, mon Seigneur. Gloire et honneur à toi, louange à Jésus-Christ. Oui, tu purifies, mon roi. Prends le contrôle, mon bénévole Père Saint-Dieu. De chacun, mon bénévole Père Saint-Dieu. De tout ce qui est à toi. Oui, Père. Mon bénévole Seigneur Jésus. Merci. Merci. Oh. Merci. Gloire à toi. Merci. Nous nous consacrons à toi. Alléluia. Oh, mon Seigneur et mon Dieu. Je verse cet amour dans mon cœur, pour nos frères et pour nos sœurs, comme ce jour-là. Oui, nous les désirons, mon roi, l'amour de ta parole, Seigneur Jésus. Ah, ils étaient à subir à ta maison, à toi, mon Seigneur. Près de nous, ces jours heureux, de ta puissance. Parmi toi aimé, nous voulons t'aimer aussi, mon bénévole Père Saint-Dieu. Comme ils s'étaient consacrés à toi, donne à ton peuple, mon roi. À mon frère, à ma soeur, à nos enfants, nos petits-enfants, et nos jeunes soeurs, nos jeunes frères, oui, Père, ta bénédiction, ton esprit, c'est mon roi. Oh, j'ai honneur à toi. Oh, nous voulons revenir, être bouillants pour toi, mon bénévole Père Saint-Dieu. Oh, que nos lendemains soient différents, mon bénévole Père. Vivant pour ta gloire, marchons pour toi, mon Seigneur. Puissamment dans la vie, dans l'intérieur de mon frère et ma soeur. Oh, que nous puissions être comme cela, merci. Merci. Gloire te soit rendue. Merci. Merci. Dans son esprit,
entre tes là. Je prie sur l'église que mon frère soit libre, Père. Au nom de Jésus-Christ. Mon souverain béni, que ton peuple soit totalement à toi et 100% à toi. Le cœur et l'âme et l'esprit, le corps aussi, Père. Oui, Père, totalement et entièrement à toi. Pardonne, mon souverain. Pardonne à ton peuple. Merci. Merci. Nous revenons à toi. Merci. Parce que tu nous as réellement parlé.
lier nos cœurs au roi. Les liens de la mort nous environnent, mon Seigneur, Père Saint Dieu. Oh, nous avons crié tout à l'heure, Père Vénère, au nom de l'éternel, nous taillons en pièces, mais de mes Père Saint Dieu. Je crie, loué soit l'éternel, délivré, Père Saint Dieu. Merci pour la victoire que tu as donnée à mon frère, la victoire à ma soeur, nos enfants, nos jeunes frères, nos jeunes soeurs, mon roi. Oh, consacré à toi, nous sommes un peu plus fort, mon Père, je t'en suis. Merci. Merci. Je te demande grâce, mon Seigneur. Je t'en supplie, mon roi. Pardonne-nous, mon Seigneur. Et mon Seigneur, change le cœur. Change l'âme, mon Dieu, mon Père Tout-Puissant. Prends le contrôle de ta maison, Père Saint-Dieu. Chaque pièce, chaque endroit. Chaque lieu qui t'est consacré, loué soit l'éternel pour moi. Prends le contrôle, la crainte, le respect dans ta maison, dans tous les lieux, dans chaque coin où ton nom est invoqué, Seigneur. Je t'en supplie, viens remplir, viens prendre le contrôle, viens saisir, Père Saint-Dieu. C'est ton troupeau, c'est ton peuple, c'est ton lieu, mon béni, Père Saint-Dieu. L'endroit que toi tu t'es choisi, sois béni pour cela. Merci pour tout, Père Dieu. Nous voulons t'honorer, Seigneur, avec tous nos biens, Seigneur Jésus. Nous voulons t'honorer avec ce que tu nous as donné aussi, bien-aimé Père Tout-Puissant. Je t'en supplie, mon roi. Béni, agrée l'offrande, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, Dieu. Agrée cette offrande, mon Jésus, mon roi. Nos cœurs et nos âmes, ce que nous sommes. Agrée cela, Père Saint. Prends le contrôle de notre vie, Seigneur Dieu. Nous nous reconsacrons à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Vis en nous, mon bénévole Père Saint-Dieu. Reçois de mon âme la louange qui t'est due, mon bénévole Père Tout-Puissant. Je prie aussi pour ton peuple, mon roi, que tu le bénisses, que tu le soutiennes. Tous ceux qui se reconnaissent cet endroit, oh Dieu, qui sont répartis par le monde, mon bénévole Père Saint-Père, qu'ils soient vraiment bénis, qu'ils reçoivent ta délivrance. Oh Dieu, que ta puissance à toi, que ton baptême du Saint-Esprit, Seigneur, qu'ils le reçoivent, mon roi, parce que ton peuple reçoit. Nous sommes à toi, mon bénévole. Oh, tu es la solution à tous nos problèmes, nos tracas. Je te demande pardon pour tout, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la paix. Merci pour la délivrance, mon Seigneur. Je me consacre à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Saisis chaque frère, chaque sœur dans son âme. Père Saint-Dieu, que chacun de nous puissions redevenir conscients de ta grandeur à toi, de qui tu es, mon bénévole Père. Nous te servons, toi, le Dieu très haut. Nous avons trouvé grâce devant ta face, mon roi, pour te servir. C'est pourquoi, dans chaque office, nous voulons avoir la crainte et le respect, Seigneur. Je te demande pardon, mon roi. Aide-nous, Père. Oh, souviens-toi. Souviens-toi de nos pères, oh Dieu. Reçois donc l'honneur et la gloire. Reçois, Seigneur Jésus, tout ce qui t'est dû de chacun de nos pères, du fin fond de notre âme, l'obéissance à ta parole. Aide nos pères à nous conformer à ta volonté parfaite. Souviens-toi de nous. Merci. Parce qu'aucun être ne peut s'approcher de toi. Tu es tellement saint
Merci pur mon roi. Nous te disons merci. Oh, fais-le-nous, Père de l'Esprit, que les fasses de l'âme, mon roi. Purifier et sanctifier les sacrifices. Fais-le-nous, cela, Père de l'Esprit, que tu as purifié. Purifie-nous avec les soins pour cela. Et nous serons pur, mon roi. Merci, mon roi. Ta présence glorieuse. Je suis rempli encore davantage de cœur. Nous revenons à toi. Pardonne-nous. Il y a un cachet devant de toi. Pardonne-nous. Oh, nous en avons besoin, Père, de ton pardon. Gloire à toi. Merci pour ta présence, mon roi. C'est ton cœur, ce soit dans notre cœur. Ce respect que tu es dans notre vie. Que nous entrons dans cette année nouvelle avec cette crainte et ce respect, Seigneur. La considération, sauveur béni. Oh, tu nous amènes encore plus près de toi. Aide mon frère et de ma soeur qui est faible. Me soutiens, relève mon roi. Et fortifie aussi, Père. Merci. Merci, mon sauveur. Oh, Jésus-Christ, mon roi, nous voulons vraiment marcher avec toi, que tu sois à nous, que tu fasses ta demeure dans chacun de nous, mon roi. Reçois la gloire, reçois donc l'honneur, la puissance, tout ce qui te revient, mon roi. Nous sommes ta maison à toi, mon sauveur. Prends place et prends le contrôle. Sois le tour de contrôle, mon bénévole Père Saint-Dieu. Le guide parfait. Merci. Merci, Sauveur. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci aussi pour les dons que tu as déversés, mon Sauveur. Merci parce que tu as ôté l'incrédulité, mon bénévole Père. Et tu nous as donné la foi de croire. Et nous sommes des vaillants soldats aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Nous sommes de ceux-là que tu as dit à celui qui vaincra. Nous te remercions en ces jours, mon roi. Nos lendemains ne seront plus jamais pareils. Les choses changent. Les choses changeront. Nous te sommes reconnaissants. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Merci. Sois avec nous. Conduis-nous. Merci, Père. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que le Seigneur nous bénisse richement. Alors, l'heure est avancée. Il est bientôt 15 heures. Nous allons peut-être clôturer la première partie. Aller nous rafraîchir au moment de la communion fraternelle. Et nous nous retrouverons ce soir à partir de 21 heures. Que le Seigneur nous bénisse richement. Que le Seigneur nous bénisse. Je comprends, on est ivre de la présence de Dieu. Que le Seigneur nous fortifie. Le Seigneur a fait quelque chose de particulier. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Je le répète encore, hier nous étions au sixième jour. Aujourd'hui, le septième jour, Dieu s'est reposé. Alors en chacun de nous, que l'Esprit du Seigneur nous conduise toujours dans toute la vérité. Crois-le. Reçois-le, Dieu te l'a donné. Que le Seigneur nous bénisse ses choix. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours.
Levons-nous, s'il vous plaît.